Le Québec ne veut plus de toi. Ne t'inquiète pas. Reste tranquille, reste concentré. Je vais te montrer quelque chose. Suis-moi. Alors, les petits Canadiens, je sais que vous êtes anéantis peut-être par la nouvelle. Surtout du Québec et du Cameroun. Je viens du Cameroun. Je suis suivie par beaucoup de Camerounais. Je sais que vous pouvez être anéantis. Je ne vous dis pas de ne pas faire vos dossiers au Québec, mais d'élargir vos choix, n'est-ce pas, de permettre, de vous donner plus de chances en fait d'être tiré dans ces bassins et d'arriver avec la résidence permanente. Parce que oui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de résidence permanente hors du Québec. Et je vais parler par quatre chemins pour te dire que le Canada a de multitudes de programmes. Ce n'est pas seulement Entrée Express que vous connaissez. Il y en a beaucoup. Comme par exemple, le programme du Canada Atlantique, le programme des métiers spécialisés, le programme des candidats des provinces. Et chaque province a des sous-programmes à l'intérieur. Il y a le programme Paprika. Il y a les programmes, en fait. Il y en a beaucoup au Canada. Le programme démarrage entreprise, il y a les programmes et des programmes. Et si tu as vu, je t'avais montré ici des statistiques qui te disaient exactement combien de personnes sont venues avec ces programmes-là. Et tu as remarqué qu'il y a beaucoup qui entrent avec des programmes que vous ne connaissez pas. En fait, il y en a même encore et encore, n'est-ce pas? Et je veux donc que tu élargisses tes possibilités, tu élargisses, tu te donnes de la chance. N'est-ce pas? Ne reste pas juste renfermé sur le Québec. J'étais allée à Saskatchewan. Je te mets juste une vidéo rapide de mon séjour à Saskatchewan, dans la ville de Saskatchewan, que tu comprennes que le Canada est grand et il y a beaucoup d'endroits magnifiques dans ce pays. Donc, j'étais donc là dans cette magnifique ville, tellement étonnée. Franchement, quand on me parlait de Saskatoon, j'étais comme, ah, même d'abord le nom, là, franchement, je ne sais pas quel genre de personne ou de. Je me suis dit que je vais rencontrer des personnes, peut-être, c'est pas moi, purement, peut-être racistes, des personnes qui n'ont jamais vu des Noirs. Tu vois, des personnes qui, peut-être. Mais non! Il y a plein de communautés camerounaises là-bas, béninoises. En fait, il y a une communauté africaine là-bas aussi. Et j'étais émerveillée par la nature. J'étais émerveillée par la mer, l'eau, la mer. J'étais émerveillée par les buildings. J'étais émerveillée par le fait qu'il y a aussi la vie là-bas et qu'il y a des parcs et qu'il y a tout en fait. Les gens sont joyeux et j'ai découvert même des magnifiques endroits. Et j'étais comme, wow, je peux vivre ici concrètement. Je peux me lever, je peux faire mes courses, je peux aller travailler, je peux avoir une vie avec mes enfants, je peux avoir une vie sociale. Je peux me sentir comme si j'avais voyagé, you know, pour le Canada. Parce que tout est beau là-bas pareil aussi, comme à Montréal et même peut-être plus beau qu'à Montréal. Loin de ces perturbations et tout. Donc, je t'invite à regarder ces différents programmes dont je t'ai parlé. Et si tu veux, précisément, la ville de Saskatchewan. Moi, ici, aujourd'hui, je vais faire mieux. Je vais te mettre ici une capture d'écran. Tu vois ça? Est-ce que tu as bien regardé? Peut-être je vais même te mettre deux. Peut-être même trois. En fait, je pouvais même en mettre 100. Parce que des offres d'emploi comme ce que je viens de te présenter là, il y en a beaucoup au Canada. Donc, tu vois ça? Dans ce site-là, il y en a au moins 50 pages. Il y en a au moins 1000 employeurs. Il y en a même 500. Et ces employeurs-là te donnent la résidence permanente. En fait, en signant le contrat avec eux, ça te facilite la résidence permanente dans la province en question. Parce que ça te donne beaucoup de points. Tu seras facilement tiré. Voilà les astuces que tu dois avoir si tu veux entrer au Canada. Ce n'est pas de la magie qu'on fait. Les gens n'ont pas forcément les contacts des employeurs. C'est là-bas qu'ils partent te prendre pour venir te vendre cher. C'est là-bas qu'ils partent te prendre pour venir même t'arnaquer. C'est là-bas. Donc voilà les endroits comme ça qui sont anglophones, mais qui accueillent très bien des francophones et qui sont tellement contents d'avoir des francophones dans leur et qui dépensent même d'énormes sommes d'argent pour que vous soyez à l'aise. Pour que vous soyez à l'aise. On ne parle même plus du Manitoba. Le Manitoba, j'en ai présenté le programme en entier.
Je te dis, j'ai présenté le programme du Manitoba en entier ici, dans une vidéo où je te montre comment immigrer au Manitoba. Laisse-moi te dire que, de la même façon, dans le guide de résident permanent, je t'ai montré aussi comment immigrer dans tous ces programmes que je t'ai parlé là, et plus encore des autres programmes qu'on ne peut pas dire ici. Et le lien vers les employeurs qui recrutent là, c'est là-bas dedans. Oui, les amis, on ne peut pas tout dire sur Internet. Acceptez de payer un tout petit peu. Acceptez de payer l'effort. Parce que je peux même te donner le site là. Je peux te donner le site des offres d'emploi, mais après, tu avances comment? Tu y vas comment? Tu commences comment? L'offre d'emploi, ce n'est pas ça qui te donne la résidence. Et l'employeur ne va pas t'aider à faire ta résidence. Tu dois savoir comment le faire. Voilà comment je te donne l'opportunité de ne pas dépenser des millions de francs CFA dans mon cabinet. Je ne veux pas que tu me donnes beaucoup d'argent en cabinet. Je veux que tu fasses toi-même ta procédure. Parce que je veux avoir plusieurs personnes qui immigrent. Moi, mon but, c'est que vous immigrez. Mais évidemment, je ne peux pas vous donner ça gratuitement comme ça. Venir me placer chaque jour à vous expliquer des programmes. J'en ai fait pour certains. Mais pour d'autres, acceptez de payer le prix. Et ce n'est pas juste les programmes que vous payez, c'est le suivi en arrière. Vous savez ce que ça fait que quand tu as une question, tu as quelqu'un à qui poser? C'est ça que tu payes en réalité. Et c'est minime ce que je te demande versus ce que je t'offre, versus ce qui t'attend en arrière, versus tout ce qui est en arrière. Un suivi gratuit, tu as mon contact, tu as un groupe privé, tu as des rencontres mensuelles aux besoins, tu as l'équipe qui est là pour toi, pour t'aider à obtenir cette résidence toi-même. Est-ce que ça ne te plairait pas d'atterrir avec toute ta famille en ayant moins dépensé? Est-ce que tu ne serais pas content d'atterrir au Canada avec ta résidence permanente en maîtrisant le processus? Quelle fierté pour toi et ta famille de dire « Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait ma procédure moi seule. » Sachez que tu peux le faire. Moi, j'ai rencontré une personne à l'église l'autre jour, il me disait « Stelle, j'ai juste regardé tes vidéos. Tu as juste dit un programme. Je suis partie moi-même, j'ai fait ma procédure. Aujourd'hui, je te donne plus. » Cette personne a pris du temps pour le faire. Moi, je te permets de faire ta procédure en 4 mois, en 2 mois et même en 1 mois. Rapide. Vous savez, l'élément déclencheur d'une procédure de résidence, c'est de faire une déclaration d'intérêt. Mais plus encore, c'est de comprendre ce que tu fais. C'est de maîtriser un peu le programme et de bien choisir le programme adapté à ton profil et de comprendre ce que tu es en train de faire. Au lieu de faire à tâtons, tu perds le temps, tu fais des erreurs. Parfois même, tu as des interdictions de territoire. Oui, on ne vous dit pas ça. Mais moi, je te dis tout. Donc, les amis, je ne bavarde pas trop. Je laisse le lien de la formation ici ou dans la description. C'est déjà ouvert. Viens, prends la formation. Vas-y. Tu doutes? Teste-moi. Teste-moi en prenant la formation. Je suis publique. Si c'est faux ce que je dis, si c'est... Viens dire ici en commentaire. Teste seulement. Je dis, tout ce que je te demande, c'est de croire à moi et de croire à ce que je t'ai offert dans cette formation, de tester. Les amis, j'ai compris votre problème. Vous m'avez dit, Stelle, on veut bien immigrer comme résident, mais vraiment, on vient t'écouter aux conférences, mais après qu'on arrive à la maison, on est perdu. Voilà, tout est bien là. Hein? Tu peux déjà aller voir qu'est-ce que je t'offre. Tout est ouvert, je ne cache rien. Mais dans la formation, dans les vidéos là, pas à pas, maman, je prends le temps de t'expliquer tout ce qu'il faut. Tu ne viendras pas dire qu'on n'a pas tout fait pour toi. Tu ne viendras pas dire que Dieu ne t'a pas aidé, parce qu'on va dire que Dieu est passé par moi pour t'aider, you know? Tu as dit que tu n'as pas l'argent pour aller payer les millions dans les cabinets. Disons que Dieu est passé par moi pour t'aider. Une formation à moindre coût qui te montre le chemin et après, tu t'en sors très bien. Très, 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 très bien. Toute la solution là-bas. Je n'attends que vous, les amis. Ensemble, on y arrivera. On réalisera ce rêve canadien. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque
qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. Hello@cestfacile.com. C'est totalement gratuit.